veuillez m'excuser, je vous dérange ? Non, je vous en prie. Entrez, madame... Miss Alice de Bouvier. Je suis la nouvelle voisine de Monsieur Holmes. Oh, je n'ai pas eu le plaisir de... Je suis le docteur John Watson. En quoi pouvons-nous vous aider ? Oh, ce n'est pas elle le problème, Watson. Je... Alors, de quoi s'agit-il ? Oh, cet enfant qui renifle derrière elle. Débarrassez-vous-en, Watson. Mais il tremble de froid. Et il est contrarié. Que lui est-il arrivé ? Le jeune Tom a frappé à la mauvaise porte. Oh, bon sang. Oh, pauvre garçon, viens te réchauffer près du feu. Puis-je vous offrir une tasse de thé, Miss de Bouvier ? Eh bien, je... Nous ne risquons pas de déranger... Vous savez qui ? N'est-ce pas ? Je suppose que non. Puisque vous êtes notre nouvelle voisine, il vaut mieux que vous appreniez à le connaître. Et vous, Monsieur Holmes, est en pleine crise. Il est littéralement malade de ne rien avoir à faire. Il devient alors totalement asocial. J'ai tout essayé. C'est un cas pathologique incurable. Mais tout cela doit rester entre nous. Bien sûr, je comprends. Comme c'est triste. Il existe cependant un remède, mais seulement temporaire. Une bonne enquête. Il est probable que s'il refuse celle qui se présente, son état ne fera qu'empirer. Je suis là, vous savez. Je ne me suis pas envolé par la fenêtre. D'accord, d'accord. Merci, miss. Alors, mon garçon, dis-moi ce qui t'amène. C'est mon père, monsieur. Il a disparu. Je suis perdu, vous savez. Je sais pas quoi faire. Comment s'appelle-t-il ? George Hurst, monsieur. Disparu ? Et qu'en dit la police ? La police ? Ils veulent pas me croire. Ils disent qu'il m'a abandonné. Mais c'est pas vrai ! Non, bien sûr. Tes vêtements sont reprisés et tu sais lire. Tes parents sont pauvres, mais tu ne manques pas d'affection. Oui, enfin. Y'a que mon père. Parce que ma mère, elle est morte quand j'étais petit. Raison de plus pour qu'il ne t'ait pas abandonné. Ton père n'est pas du genre irresponsable. Il s'occupe bien de toi. C'est vrai. Mais il n'a pas vraiment de travail. Il est obligé de faire des petits boulots. Des petits boulots payés à la journée. Quand on le paye. Sauf que cette fois... Il n'est pas rentré à la maison. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? C'était il y a 3 semaines. Il est parti travailler, mais il n'allait pas bien. Il était bizarre, et il était en colère. Bizarre ? Comment ça ? Il m'a dit, fiston, je pars pour un travail spécial. Toi, t'as pas intérêt à bouger d'ici. Il a dû lui arriver quelque chose. 3 semaines ? C'est long. Tous les jours, j'espérais, je m'attendais à le voir arriver. De toute façon, je sais me débrouiller seul. Enfin, ton père et toi êtes en danger, tous les deux. Il fallait venir me voir plus tôt. J'avais peur, monsieur. Je savais pas quoi faire. J'ai pas de famille. Et j'ai nulle part où aller. Si le propriétaire découvre que mon père n'est plus là, il me mettra dehors. Tom, tu as fait ce qu'il fallait. Nous allons tâcher d'être discrets. Si seulement ma maman était là. Très bien. Ton adresse, Tom ? 12 Dorset Street,
premier étage. Porte E. C'est à Whitechapel, monsieur. Mais... j'ai pas d'argent pour... Qui a parlé d'argent, Tom? Ton affaire est le remède qu'il me fallait. Je te retrouve là-bas. Oh, merci, monsieur. Nous devons aider Tom à retrouver son père, Holmes. Brave Toby, le meilleur flair de tout l'Empire britannique. Ces rues sont trop étroites pour le fiacre. Je vais devoir marcher. Voilà, c'est là qu'on habite, monsieur. Le toit fuit tout le temps. C'est mon père qui le réparait. Hearst a payé ses factures en avance, ce qui a permis à Tom d'être à l'abri des besoins.
Ma mère, monsieur. Elle est morte quand j'étais petit. Mon père m'a parlé d'elle, mais c'est tout ce que j'ai d'elle. Je suis désolé, Tom. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune, moi aussi. Le pub The Old Tabard, sur North Street. De la colle. On a dû l'arracher d'un mur. Il fait trop sombre. Je ne vois rien. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. Une sacoche en cuir ? Que contient-elle ? Quelques vieilleries, c'est tout. Un lot de vieux livres d'occasion. George Hearst essayait de donner à son fils la meilleure éducation possible. C'est mon père qui m'a acheté tous ces livres. Il me l'a pas dit, mais je sais qu'il a mis son manteau au clou pour ça. Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà 3 semaines que George Hearst a disparu. Bonjour, monsieur Holmes. Tiens, le jeune Wiggins. Tu as trouvé un travail, à ce que je vois. Si on veut. Je déteste ça. Mais si vous avez un vrai travail pour moi... J'aurai peut-être besoin de toi plus tard. Attends-moi là. Je vais tendre l'oreille pour découvrir qui propose ce travail spécial. Égalité pour la classe ouvrière. Je suis content d'être mon propre patron. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ou à Watson. «
le gars qui propose ce travail spécial, il a une sacrée paire de rouflaquettes. Je ne peux écouter personne d'ici. Non, non, non. Le gars qui recrute pour le travail spécial. Ainsi, l'homme que je cherche a des rouflaquettes et ne boit jamais d'alcool. C'est sans doute l'homme que je recherche. Intéressant, un avis de recherche. Je vais essayer d'en savoir plus. Les patrons feraient mieux se méfier. La grogne, c'est contagieux. Tu vois ce monsieur? J'ai besoin que tu le suives et que tu me rapportes tous ses faits et gestes. D'accord, monsieur Holmes. Chapelle ne change pas. La trace des mendiants partout. Hein? Ah. I don't even care with this fucking everybody. I'll take it for a long time. J'ai pas pu payer une loyer la semaine dernière. Cher.
Ils me laisseront pas passer. Faut que je passe ailleurs. Les riches donnent de la viande à leurs chiens. Moi, je me souviens même pas de quel coup ça. La vie coûte tellement cher de nos jours. Mon fils n'a que 7 ans. Et il doit travailler dans les égouts. Ah, les gars de la bande des cogneurs, il ne vaut pas les croiser. Prends-moi, c'est au boulot. Arrête de chouiner, mais... Tiens, tiens, qui voilà? Attrapez-le! C'est au boulot. T'attends quoi? Ah, les gars de la bande des cogneurs, mieux vaut pas les croiser. Arrête de chou. Je pourrais continuer la poursuite en grimpant par la cheminée, mais c'est dangereux. Sale gamin! Non, ne le battez pas. Je vais le faire. Je vais nettoyer la cheminée. D'accord, vas-y. Il est encore là. Je l'ai perdu. Ah, il est encore là. Oh! Oh!
qu'on peut faire? Devinez qu'est-ce qu'on peut faire? Devinez qu'est-ce qu'on peut faire? Devinez de bonheur. Pas de cachette ici. Je ferais mieux de passer par les jardins. Arrête de me suivre, Fermine. Pas de cachette ici. Je ferais mieux de passer par les jardins. Regardez-le ramper, Sora. Arrête de me suivre, Fermine! Pas de cachette ici. Je ferais mieux de passer par les jardins. Hé ! Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin ? Regardez-le ramper, Sora.
connais, lui. C'est Jim le serreur de Chamber Street. Hé, hey, Jim, tu me prêtes ton matériel? Je suis en mission secrète pour M. Holmes. Mm-hmm. Ça pourrait servir, mais avec une petite brosse. Plus vite! Vaut mieux commencer par enlever la boue. Tu dors ou quoi? Il fait bon. Ça, je l'ai, la semaine dernière. J'espère que le froid ne va pas revenir. J'ai pas de quoi payer le charbon. Faut pas le perdre. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Il n'y a que deux personnes qui vivent ici? J'aimerais bien en être, moi. Des sacs de nourriture? Elle me plaît, cette maison. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Mazette, ça en fait des trucs chers. Un blason, ça pourrait aider Monsieur Holmes. Je vais le dessiner. Bon, je vais faire mon rapport à Monsieur Holmes. Faut filer d'ici avant de me faire choper. C'est fermé.
Le rapport de Wiggins était intrigant. Que pensez-vous de sa trouvaille, Holmes ? Wiggins a bien travaillé. Et voilà. Alors cet homme serait Lord Marsh. Un lord qui s'encanaille au pub. Allons rendre visite à Lord Marsh. Nous ferons semblant de nous intéresser à ses bonnes œuvres. Monsieur Holmes, vous avez de la visite. Oh, eh bien, dites-lui d'attendre. Je crains que ce ne soit impossible. Cette jeune fille est, comment vous dire, particulièrement impatiente. Pardon ? Kathleen ! Le pensionnat de Miss Kathleen a été inondé. Toutes les élèves ont été renvoyées chez elles. Comme si ça ne sentait pas déjà le moisi. Ma parole ! Comment as-tu pu grandir si vite ? Tu es la bienvenue. On va te trouver une petite place. Holmes, je lui donne ma chambre, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis, Kate ? Vous êtes sur une nouvelle enquête ? Dites-moi, dites-moi ! Une belle dame victime d'un horrible maître chanteur ? Une histoire d'amour entre un prince et une suffragette ? Comment as-tu deviné ? Vous me raconterez, hein, papa ? Tu vas rendre Watson jaloux ? D'accord. Bonne chance. Je vais m'installer. Vous pouvez m'aider, Madame Hudson ? Holmes, au sujet de Kathleen. Oui ? Elle a bien grandi. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de lui dire ? Lui dire quoi, Watson ? Eh bien, pour son père. Jamais. Il n'en est pas question, vous m'entendez ? Holmes, vous êtes responsable de la mort de son père. Vous lui devez la vérité. Elle est assez grande. Je la perdrai. Vous ne comprenez pas ? Elle ne doit jamais savoir, Watson, c'est clair ? Holmes. Watson. Elle ne doit pas savoir. Entrez, je vous prie. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Et que puis-je faire pour vous ? Bonjour, Lord Marsh. Mon nom est Sherlock Holmes, et voici mon collègue et ami, le docteur Watson.
J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Vous êtes avec votre médecin? Oui, je vous présente le docteur Ruben Fischer. Votre visite m'intrigue, monsieur Holmes. Je suis touché. Je ne voudrais surtout pas contrarier un patient. Lord Marsh, permettez-moi de vous dire combien j'admire vos efforts en faveur des pauvres de Londres. Ah, oui. C'est une guerre que nous devons mener dans nos rues. Et maintenant, depuis chez moi. Vous avez sûrement remarqué ces sacs remplis d'objets, de vêtements et de livres pour les nécessiteux. C'est admirable. Moi-même, je m'efforce également de venir en aide aux plus démunis, à mon humble niveau. Je pensais que vous auriez peut-être besoin d'assistance. Eh bien, pourquoi pas? Je reçois déjà l'aide inestimable du docteur Fischer, qui est aussi mon médecin. C'est étrange. Votre visage m'est familier, docteur. Curieusement, il m'évoque Whitechapel. Quel sens de l'observation! C'est vrai. Croyez-le ou non, il m'arrive de fréquenter les pubs de ce quartier. Pas pour boire, bien sûr. Je me déguise en ouvrier pour approcher les gens et leur demander s'ils seraient intéressés par un travail spécial. Un travail spécial? Puis-je savoir de quoi il s'agit? Bien sûr. Lorsque Lord Marsh a créé son programme spécial d'éducation en 1889, il a compris que ces gens ont avant tout besoin d'un emploi. Alors, avec ou sans éducation, nous leur proposons de travailler avec Lord Marsh. Une chance pour les plus modestes de faire de Londres un endroit où il fait bon vivre. C'est remarquable. N'est-ce pas? Pour comprendre le monde, il faut être un visionnaire et un humaniste. C'est la philosophie de Lord Marsh depuis toujours. Oh, le docteur Fischer et son goût du romanesque. Enfin, passons. Pardonnez-moi, Lord Marsh, mais vous êtes très pâle. Puis-je vous offrir l'aide du docteur Watson? C'est gentil à vous, mais je pense pouvoir procurer à Lord Marsh les soins que son état requiert. Depuis quand êtes-vous malade, Mylord? Je vais bien, docteur Watson. Ce n'est qu'une vilaine grippe. Je serai sur pied dans quelques jours. Je me sens déjà mieux. Dans ce cas, pourquoi prenez-vous des antalgiques aussi puissants? Que voulez-vous dire? Monsieur Holmes fait allusion aux pilules sur la table. Désolé, je suis tenu au secret médical. Lord Marsh, pendant une partie de chasse avec ses amis. Ah, mes chers camarades, Lord Collins et Lord Harrington. Si cette satanée maladie ne me retenait pas, je serais en compagnie de ces vauriens. Chaque chose en son temps, my lord. L'année passée, 3 orphelins ont eu accès à des études de médecine. Grâce à Lord Marsh et au programme spécial d'éducation, bien des pauvres pourront avoir une deuxième chance. John Strawbridge. J'ai déjà vu ce nom. Il figurait sur l'avis de recherche. Il a disparu. Lord Marsh, avez-vous une idée du nombre de personnes dont vous avez changé l'existence? Oh, vous exagérez, monsieur Holmes. Mais il est vrai que ces gens sont devenus comme ma famille. Une famille très nombreuse, Que n'importe laquelle de vos nouvelles. Mais je ne saurais vous dire combien. C'est Fischer qui tient les comptes. Est-il possible de voir cette liste? J'ai bien peur que ce soit impossible. C'est confidentiel. Je ne peux pas transiger sur ce point, monsieur Holmes. Je comprends. Nous ne manquerons pas de faire un don à votre programme d'éducation. Je vais vous laisser à vos œuvres à présent. Merci et bonne continuation, monsieur. Pareillement, monsieur Holmes.
Monsieur Holmes, vous avez des nouvelles de mon père ? Tom, pas si vite. Dis-moi, mon garçon, as-tu déjà entendu ton père parler d'un programme spécial d'éducation ? Un programme d'éducation ? Non, monsieur. Il a parlé que d'un travail spécial. D'où vient cette boîte, Tom ? Oh, je viens de la trouver, monsieur Holmes. Elle était bien cachée. Je me demande bien pourquoi. Beau travail. Ça pourrait nous être très utile. Cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme. Un écouvillon pour nettoyer les fusils. Wolfjack, on dirait un insigne militaire. Tom, est-ce que ton père a un fusil ? Un fusil ? Non, il me l'aurait montré. Et moi, je suis sûr que non. Je dois trouver ce fusil. Ce morceau de tissu a servi à huiler une arme. Tom, est-ce que ton père dispose d'un autre logement ? Non. Enfin, je ne crois pas. J'ai besoin de Toby. Je vais lui faire sentir l'huile et on retrouvera ce fusil. Et voilà. Allons, Toby. Il est temps de gagner ta pitance. Watson ? Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Son état de santé m'inquiète. J'ai mieux à faire que de promener Toby dans tout Londres. J'ai mieux à faire. Monsieur Holmes, je peux vous aider ?
Cherche, Toby, cherche. Ce n'est qu'un abri de jardin. Continuons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Cette cave sert d'entrepôt.
Rien de particulier. De la camelote. Une photo de Tom. Essayons d'entrer. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place. Coupure de presse sur les lords et le programme d'éducation. Que font-elles ici? Comparons cette liste avec les éléments déjà découverts. C'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre. D'après cet avis, John Strawbridge a disparu. Comparons les noms de la liste de marche avec ceux de la liste de Hurst. Ce nom apparaît dans les deux documents. Tous les noms sur la liste de marche apparaissent marqués d'une croix et d'une date dans les papiers de George Hurst. Une carte de la forêt d'Epping. Cette boîte devait être pleine de cartouches.
Il y avait quelque chose sur ce support. Il y avait un fusil ici. George Hurst l'a emporté. Holmes, que faites-vous là? Que manigancez-vous? Une mission de mon cru. Vous allez jouer le rôle du médecin consciencieux, pendant que moi, je fouille la maison de marche. C'est le seul moyen d'aider le petit homme. Que puis-je faire pour vous? Je viens voir Lord Marsh. Pourquoi? Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Oh, quel maladroit! Pourriez-vous éviter de... Je dois voir Lord Marsh pour lui offrir mes services. Allons, Fisher. Laissez donc entrer le docteur Watson. Beau travail, Watson. Lord Marsh est un grand chasseur. Voyons si ce coffre est difficile à ouvrir. Docteur, vous étiez donc si impatient de me revoir. En effet, j'aimerais vous examiner.
Sait-on jamais, deux opinions valent mieux qu'une lorsque la vie du patient est en jeu. Eh bien, vu sous cet angle, j'accepte. Souhaitez-vous que j'attende dans votre bureau ? Je vous en prie, docteur. Restez. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Vous comptez casser autre chose ? Je ferai de mon mieux. Monsieur Holmes ? Que faites-vous là ? Vous comptez casser autre chose ? Je ferai de mon mieux. Le 7 novembre. Le rendez-vous est donc pour aujourd'hui. Je crains que ce ne soit un peu plus sérieux qu'une simple grippe, hein, Lord Marsh. Et où est votre ami, Docteur Watson ? Oh, probablement en train de mettre son nez dans les affaires de quelqu'un. Docteur Watson, que faites-vous ? Pardonnez-moi, my lord, mais je dois vous rappeler votre rendez-vous. Il est déjà l'heure. Oh, pardon, docteur Watson, mais nous sommes attendus. Pouvons-nous vous déposer quelque part ? Vous sortez ? Je ne crois pas que ce soit indiqué dans votre état. Merci de votre sollicitude, docteur Watson. Mais la misère n'attend pas, je me dois de continuer. Prenez soin de vous, Lord Marsh. Docteur Fisher, je vous enverrai mon diagnostic.
Merci à vous, docteur. Au revoir. Watson, que faites-vous à ma table ? Je veux vérifier quelque chose à propos de Lord Marsh. J'ai l'impression que Lord Marsh cache quelque chose au sujet de sa maladie. Sa toux, ainsi que sa fièvre et les puissances antalgiques qu'il prend, me font penser qu'il est gravement atteint. Étudions ceci de plus près. Des gouttes de sang dans les expectorations. Je devrais prendre un échantillon pour l'examiner au microscope. Colorons l'échantillon à l'aide des produits chimiques. Ce produit doit être utilisé en troisième. Bien. Étudions l'échantillon coloré sous le microscope. Une mycobactérie. Lord Marsh est bel et bien gravement malade. Holmes, c'est très sérieux. Comme je le craignais, Lord Marsh est atteint de tuberculose. Ah bon ? Vraiment ? Oui, vraiment. Holmes, il va mourir si on ne le transfère pas rapidement dans un sanatorium. Et pourtant, Lord Marsh et le docteur Fisher font tout pour le cacher. Intéressant. Mais pourquoi ? C'est toute la question, Watson. Oh, mais... Mon Dieu, vous pensez que Lord Marsh a contracté la tuberculose en aidant les pauvres ? C'est terrible. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. Holmes, je vous demande d'être très prudent en mon absence. Cette maladie est extrêmement contagieuse. N'oubliez pas que nous avons des femmes sous notre toit. Merci, Miss Alice. À plus tard. À bientôt, Kathleen. Où étais-tu ? Notre voisine m'a prêté un livre. Elle est si gentille. Je crois qu'elle vous aime bien. Ça, j'en doute. Alors, votre enquête, comment ça se passe ? Ça va. Dracula. Oui. Au pensionnat, je n'ai pas le droit de le lire, vous savez. Bien, bien. Oh, j'ai hâte de raconter ça à mes amis.
Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Et voilà. Grudson's Oak se trouve dans la forêt des Pings. C'est l'endroit indiqué sur la carte de George Hurst. Essayons de trouver l'endroit indiqué sur la carte manuscrite. Et voilà, bon sang. Il faut que je me dépêche si je veux découvrir ce qui se trame dans la forêt. Papa, ce garçon, Wiggins, il vient souvent ici? Il m'aide de temps à autre sur certaines enquêtes. Pourquoi? J'aimerais bien lui parler. Lui parler? Oh, papa! À l'école, il n'y a que des filles. Et elles ont des conversations si ennuyeuses. Je suis sûre que Wiggins a des tas d'histoires intéressantes sur sa vie à Londres. Oh, ce serait si romantique. Non, oh, Kate, je te connais. Tu vas lui faire peur et il n'osera plus remettre les pieds ici. Je vais lui faire peur? Excellent. Oh, Kate. Bon, très bien, je vous laisse.
voyons combien de temps vous survivrez. Cet homme a été tué récemment. Le corps est encore chaud. Il était pauvre. Allez les chiens, trouvez-le! Trouvez-le! Voilà!
inquiétude. Personne ne trouvera votre corps. C'est le corps de Lord Arrington. Mon état se dégrade. Il faut que je pense à ma blessure. Quatermain Club. C'est sans doute la cabane de Lord Marsh. Ceci m'aidera à panser ma blessure. Quelqu'un vient. Il faut mieux me cacher. Respirez, Lord Marsh. C'est bientôt fini. Qui êtes-vous ? George Hurst, premier régiment d'éclaireurs. Je suis venu rendre justice. Un ancien soldat. Quelle ironie. Et vous n'avez pas été admis au programme spécial d'éducation ? C'est exact. Un ancien soldat blessé ne vous servait à rien. Mais il peut encore être dangereux. Nous avons beaucoup chassé dans ces bois. Je n'aurais jamais cru devenir... la proie. J'ai vécu une belle vie. Je me suis affranchi des limites fixées par les autres. Je n'implorerai pas votre pitié, misérable vermine. Préparez-vous pour le dernier voyage.
George, baissez ce fusil, pour l'amour de Tom. Holmes, tiens, tiens. Un adversaire presque valable. Tom? Mon Tom? Si vous avez touché à un cheveu de mon garçon, vous allez me le payer. Tom est en sécurité, à Londres, avec un ami de confiance. À présent, finissons-en. Oui, finissons-en. George, écoutez-moi. Je sais que vous voulez vous venger, mais en tuant Marsh, vous lui donnerez exactement ce qu'il veut. Il mourra, en sachant qu'il a gardé le contrôle de sa vie jusqu'à la fin. Mais si vous le laissez vivre, il sera arrêté, condamné, et il connaîtra le pire des châtiments. La tuberculose et sa mort lente se chargeront de lui faire vivre l'enfer. Il connaîtra une agonie douloureuse, interminable, derrière les barreaux. Vous êtes fou, aussi fou l'un que l'autre. Allez, allons retrouver Tom. Pas encore. Je vais vous tuer, Lord Marsh, mais pas proprement. Vous allez mourir lentement. Ne faites pas ça, George. Détective, regardez. Voilà comment vous êtes tombé malade, Lord Marsh. C'est en décapitant vos victimes atteintes de tuberculose que vous avez contracté la maladie. Ce n'est que justice. Vous ne comprendrez jamais. On ne peut sauver tous ces gens sans sacrifice. Mais ne me laissez pas mourir comme ça, Holmes. Tuez-moi! Monsieur Hurst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington et, je l'espère, Lord Collins et le docteur Fisher. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Quatermain Club. Je vous laisse.